Je veux la reine des neiges. Encore ? Je veux la reine des neiges. Mais c'est au moins la 25e fois. Tu veux pas regarder autre chose ? Il y a plein d'autres dessins animés très bien chez Disney. Mais je ne connais pas les autres. Eh bien, je vais te les présenter, moi. Je sors mon livre magique. Ils y sont tous, tu vas voir. Vas-y, tourne la page. Ça, c'est Quasimodo, le héros du Bossu de Notre-Dame. Pour ce dessin animé, Disney a copié la musique d'un spectacle magnifique, une production de l'Harmonie de Clamart dans les années 2015, et qui s'appelait La Légende de Jimmy Gotix. Dans ce spectacle, le metteur en scène d'un opéra classique et la productrice d'un groupe de rock se sont affrontés pour avoir la vedette dans un concert d'un soir. Enfin mon grand talent est reconnu par les puissances élevées. Je vais pouvoir donner toute ma mesure dans la réalité mesure. Le public, je le sais, adora mes créations géantes et Pandora. Selon ce jeu qui est par ma destinée qu'on sonne. Imaginez la scène et les acteurs, les musiciens et le chœur. Les frissons montent au dos des spectateurs quand ils entendent le chanteur. Le public, je le sais, adore les créations géantes et mon aura. Et selon ce jeu de par l'escalade qui fuse dans toute la musique. Les élus ont peur de mon génie. Ils préfèrent le rock à l'harmonie. Pas de Mozart sans son Salieri. Je bénis sans Jigger, rocker, tricheur, saboteur, déshonneur. Chaque jour, je travaille en puisant l'énergie dans mes entrailles. Chaque jour, j'invente des airs, des chansons, des trouvailles qui valent l'or des plus belles médailles. Et chaque jour, des concours ineptes poussent des bambins. Élevés en batterie comme des poussins, à jouer les artistes, aduler les stars de demain, quand ils sont juste bons à copier sans fin. Moi, je suis un vrai leader, un créateur qui fait des vrais publics, l'art de produire. C'est pas qu'une machine à sous, un vilain trafic, c'est de la joie. Par-dessus les toiles.
Ça, c'est Aladdin. Une mauvaise fréquentation, celui-là. Le fils du prince des voleurs. Et beau gosse, l'insolent. Et évidemment, une belle princesse, elle s'appelle Jasmine, tombe amoureuse de lui. Forcément, il l'emmène sur son tapis volant. Comment tu veux qu'elle résiste ? Bienvenue au prince Ali! Thank you.
Oh mince, on va pas y échapper de toute façon. Allez, allons-y. Au moins ce sera fait. Dans ma
ciel. C'était trop bien, maman, encore! Ah non, on a encore plein de choses à voir. Et puis, autant te dire la réalité, la princesse Elsa, c'est comme les autres, hein. Elle va vieillir. Et les princesses, elles vieillissent pas toujours très bien chez Disney. Regarde. Qui c'est celle-là? Quel facétieux ce livre!